Bah, on l'a bien vu en français déjà avec cette expression situation de handicap, de plus en plus cette notion d'usager. Alors c'est vrai que dans d'autres pays, on a évolué plutôt vers le terme client et non pas usager ou malade ou consommateur, mental health consumer, etc. Ça, c'est difficile pour les Français à accepter. C'est difficile, je pense, pour le corps médical d'accepter qu'il s'agit de clients. Plutôt que des passions. Oui, je pense que ça change partout, mais c'est vrai qu'avec un système en France de protection, de charité, entre guillemets, de paternalisme dont on parle souvent, de prise en charge avec l'État-providence, les choses doivent encore évoluer vers un système d'égalité, vers un système où vraiment les choix des personnes sont basés sur leur volonté et leurs préférences, comme exigé par la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées, c'est sûr. Et je suis donc ravie de voir ce travail de l'UNAF, à la fois comme personne concernée moi-même et aussi en tant qu'interprète, que tous ces partenaires en Europe sont là pour améliorer la situation et changer de paradigme pour nous tous.